le progrès. Le progrès est le signe de l'influence divine dans la création. Progrès, c'est pourquoi nous sommes sur la terre. La raison d'être de la vie terrestre est le progrès. Si tu cesses de progresser, tu périras. Chaque moment que tu passes sans progresser est un pas de plus vers ta tombe. Dès l'instant que vous êtes satisfait et n'aspirez plus, vous commencez à mourir. La vie est mouvement, la vie est effort. La vie, c'est aller de l'avant, grimper vers des révélations et réalisations futures. Rien n'est plus dangereux que de vouloir se reposer. On a toujours quelque chose à apprendre et un progrès à faire. Et dans chaque circonstance, nous pouvons trouver une occasion d'apprendre la leçon et de faire le progrès. 11 septembre 1934. Le progrès, être prêt à chaque minute à abandonner tout ce que l'on est et tout ce que l'on a pour avancer sur le chemin. 29 juin 1950. Le progrès est sans fin et chaque jour, on peut apprendre à mieux faire ce que l'on fait. 26 avril 1954. Ne pense pas à ce que tu as été. Pense seulement à ce que tu veux être et tu es assuré de progresser. 1er juin 1954. Ne regarde pas en arrière. Regarde toujours en avant ce que tu veux faire et tu es sûr de progresser. 2 juin 1954. Gardons brûlante la flamme du progrès dans notre cœur. 21 juin 1954. Ce qui ne peut être fait aujourd'hui le sera sûrement par la suite. Aucun effort pour progresser n'a été fait en vain. 25 juin 1954. Progressons nous-mêmes. C'est la meilleure manière de faire progresser les autres. 23 juillet 1954. Stagnation signifie décomposition. Aucune entreprise n'est viable à moins qu'elle ne soit progressive. Va toujours de l'avant vers une perfection croissante. 21 février 1957. Aucune institution ne peut vivre à moins d'être progressive. Le vrai progrès consiste à se rapprocher toujours davantage du divin. Chaque année qui passe doit être marquée par un nouveau progrès vers la perfection. 21 février 1957. Tout ce qui est nouveau rencontre toujours une opposition des conservateurs. Si nous cédons à cette opposition, le monde n'avancera jamais d'un pas. 7 novembre 1961. Le monde progresse si rapidement que nous devons, à tout instant, être prêts à dépasser ce que nous savons dans le but de savoir mieux. 3 mars 1963. Dans la constante marche en avant de l'univers, quelle que soit la chose à accomplir, ce n'est jamais qu'un premier pas vers une plus grande réalisation. Chaque année qui passe devrait être, et l'est nécessairement, une nouvelle conquête. Chacun et chaque chose peuvent toujours progresser et je travaille toujours en vue d'une amélioration possible, sachant que la plus grande difficulté amène toujours la plus grande victoire et je crois que tu es avec moi pour cela. Parole de la mère, volume 3.